C'est pendant ces 3 ans, vous avez dirigé cette EHPAD. Comment vous êtes amené, alors que rien ne vous y amenait, comment vous avez dirigé cette EHPAD? Pourquoi vous y êtes arrivé? Et puis surtout, eh bien, comment ça s'est passé pendant ces 3 ans? Et pourquoi vous avez arrêté? Pourquoi vous avez voulu écrire ce livre? Et puis, à nos côtés, Sabine Mulco. Bonjour. Hypnothérapeute, psychothérapeute. Sabine, merci d'être avec nous. Vous allez, comme à chaque fois qu'on aborde des thèmes de société, nous apporter votre regard de psy, puis votre regard aussi sur forcément, quand je dis que c'est un sujet de société et un drame de société, j'imagine que au quotidien, dans votre cabinet, vous voyez peut-être des patients qui sont confrontés, eh bien, au vieillissement de leurs parents ou de leurs grands-parents, et pour qui c'est compliqué à gérer, et de manière émotionnelle et de manière pratique. C'est très compliqué à gérer. J'ai surtout donc des parents, moins des grands-parents. Enfin, on parle des grands-parents, c'est plutôt dans le cadre de souvenirs. Mais en général, les gens que je vois ont à gérer leurs parents. C'est le moment de vie entre 50 et 60 ans où on doit gérer ses parents. Alors, d'autres, et c'est intéressant, je me souviens, la semaine dernière, j'ai vu une jeune femme qui a une trentaine d'années qui doit déjà s'occuper de son papa, mm-hmm. qui a un Parkinson et qui a 60 ans. Ouais, donc, c'est-à-dire qu'à 30 ans, elle se retrouve à gérer une situation où... Normalement, on y arrive quand on a 50 ans, 60 ans. Donc, elle a 20 ans d'avance sur certains autres, et c'est vraiment dommage. Parce qu'on le sait, c'est difficile, et c'est un moment de vie où on a fini de s'occuper de ses enfants. Enfin, on finit jamais réellement. On va la jouer. Mère juive. Non. Alors, on va un petit peu toucher sur ce cliché de mère juive. Ah, allez-y. Parce que ça voudrait dire que les autres mères ne s'occupent pas de leurs enfants. Non, c'est pas vrai. Ça veut dire qu'on est pire. On est pire. Oui, c'est cette fameuse base. Vous connaissez la différence entre une mère juive et un terroriste? Oui, avec le terroriste, parfois on peut négocier. Parfois on peut négocier, mais en réalité on ne peut pas négocier avec un terroriste, et on ne peut pas négocier non plus avec une mère juive. Mais c'est juste une blague. Hein. On est bien d'accord. Donc ce sont des moments de vie où c'est difficile, où on vient de finir de galérer avec ses enfants, parce qu'on a des grands moments de joie, mais aussi des grands moments de galère, et on doit s'occuper de ses parents. Donc il y a cette solution miracle qui serait un EHPAD. Est-ce que ça serait pas plutôt un mirage? C'est ce qu'on va voir avec vous. C'est ce qu'on va voir avec Jean-Arsena. Exactement. Avant qu'on parle de vous, Jean, j'ai envie qu'on parle de votre grand-mère, puisque c'est elle dont vous parlez au début du livre, à l'origine, et de la relation incroyable que vous aviez, de la chance que vous avez eue d'avoir une grand-mère pareille, comme beaucoup d'entre nous. Et c'est vrai que c'est une chance, hein, dans la vie. Et c'était une chouette grand-mère d'abord, parce que c'est la vôtre, et aussi, eh ben, quand on voit son parcours, elle a saboté des blocos, elle a fui avec sa bicyclette les Allemands. C'était une résistante, votre mamie. Oui, elle était résistante. Pendant la guerre, elle nous racontait ça au coin du feu. C'était une femme admirable qui a, oui, elle a contribué à saboter les blocos, qui étaient les blocos de la Côte d'Emeraude en Bretagne, qui étaient commandés à son frère, et elle contribuait à réduire l'épaisseur, en fait, des blocos. Et son frère a été fusillé, et elle a été pourchassée, et elle a échappé aux Allemands avec sa bicyclette. C'était une femme admirable, c'est une femme très travailleuse, c'était une femme très tolérante, c'était une femme qui, surtout vis-à-vis de nous, de ses petits-enfants, a eu un rôle protecteur. Et j'ai découvert à travers elle que l'amour paternel, ou l'amour filial, ou l'amour maternel, que souvent on a du mal à définir, qui est un peu comme ça... une notion pour certains floue ou comment dire évanescente, eh bien mamie m'a fait comprendre que l'amour filial, c'est aussi la protection, mm-hmm. et qu'un des devoirs des parents, c'est de protéger ses enfants. Et si je dis ça, c'est que moi, quand j'étais gamin, je fais un lien avec les EHPAD, c'est que je faisais pipi au lit. Mmh. Et j'ai fait ça très tard, jusqu'à l'adolescence, et mes parents étaient un peu lassés, et j'ai été éventuellement humilié même à cause de ça, alors que ma grand-mère m'a toujours protégé. Elle venait la nuit, elle changeait les draps. À partir de ça, j'ai eu, c'est vrai, un lien à cette odeur, à cette sensation très particulière, et j'ai pu me mettre à la place de ces personnes âgées que l'on retrouve souvent et que l'on laisse souvent dans des protections souillées. Et dans des situations plus que précaires et plus que désagréables. Quand vous commencez le livre, vous avez le sentiment, vous êtes loin de votre grand-mère et vous avez le pressentiment qu'elle va mourir. Oui. Et elle est à plus de 1000 km, prenez la voiture, vous y allez, elle est encore là, oui. Heureusement, mais effectivement, elle va partir
peu de temps après. Oui, ça c'est un... J'ai eu la même chose pour mon grand-père. On m'a expliqué qu'il y avait des phénomènes de télépathie comme ça. Oui, moi qui pleure assez rarement. C'était un dimanche, mon ex-femme était enceinte et puis j'ai fondu en larmes en faisant la cuisine. Il était évident, c'était très étrange, que mamie allait mourir. Donc j'ai appelé ma mère qui m'a dit non, elle va pas mal, etc. J'ai pris ma voiture, j'ai traversé la France, puisque de Cannes à Dinan, en fait, c'était en Bretagne, j'ai mis un temps record, roulé très très vite. Puisqu'à l'époque, j'étais directeur de succursale automobile. C'est ça, donc les voitures, vous en aviez, vous pouvez... voilà. Et lorsque je suis arrivé quelques heures avant son décès, elle était encore lucide, mais un peu inconsciente. Et elle m'a simplement dit « Ah, tu es venu, mon petit Jean. » Et j'ai passé la nuit à lui raconter les souvenirs qu'on avait ensemble, sans pleurer cette fois. Mmh. Et elle s'est éteinte quelques heures après mon départ, puisque le lendemain matin, je suis reparti. Vous êtes reparti. Elle s'est éteinte comme ça. Et j'ai fait après, dans le premier EHPAD que j'ai dirigé, puisque je dormais dans cet EHPAD, puisqu'il était éloigné de mon domicile, j'ai assisté aussi à des fins de vie, ouais. Et on va... de personnes qui étaient seules. Et ça m'a rappelé bien sûr ma votre grand-mère. On va en parler, Sabine Mulcourt, ce que raconte Jean, et après effectivement on va rentrer dans le cœur du sujet avec les EHPAD, mais c'est quelque chose qui nous arrive fréquemment d'avoir ce pressentiment là, et voilà, de s'y précipiter, et tant mieux, parce que comme ça vous avez pu lui dire au revoir. C'est des choses qu'on vous raconte aussi? Oui, on a des pressentiments. Alors certains disent que c'est un sixième sens. Je sais pas comment on peut l'appeler. Ça n'a pas d'importance comment on le nomme. Ce qui est, on se rend compte que certaines personnes attendent une date anniversaire pour mourir, ou attendent le mariage d'un petit enfant, ou ils sont présents jusque-là, où ils attendent qu'on vienne les voir. Mmh. Quand on fait une promesse, on dit « Ok, je passerai te voir », ils attendent. Et c'est comme si il y a quelque chose d'extrasensoriel, on ne sait pas. Peut-être qu'un jour on saura. Et en même temps, ça n'a pas d'importance si on écoute ses émotions et on y va. Il est possible que ce jour-là, elle vous attendait, oui. Moi, j'ai eu l'impression d'être appelé. J'ai l'impression qu'elle m'appelait. Et ce que vous dites est très juste. Indépendamment de ce phénomène de télépathie, les personnes qui sont en fin de vie ont une capacité à attendre. Oui. Et qu'est-ce qu'elles attendent, effectivement? Ben, elles attendent un dernier mot tendre, elles attendent la visite de quelqu'un qu'elles aiment. Elles peuvent attendre quelques heures, quelques jours. Et moi, ce que j'ai fait, puisque la famille souvent était éloignée et n'était pas là, puisque pour les deux tiers, c'est quelque chose qui m'a bouleversé, des résidents, ils sont souvent seuls ou sans trop de visites. Eh bien, le fait que je sois à leur côté, que je les écoute et que je leur parle, que je tienne la main, on me réclamait même des bisous, en fait. On me disait « faites-moi un bisou », alors je ne savais pas si je devais ou pas, et je faisais un bisou. Eh bien, ça aide, en fait. On a besoin d'un dernier souvenir tendre pour passer de l'autre côté et se dire que finalement, cette vie qui se finit, en valait la peine. Alors, vous racontez à un moment donné, après on va revenir sur le début, mais puisqu'on parle des visites, effectivement, vous dites à un moment donné dans le livre, selon la liste détaillée de Janine, Janine qui travaillait avec vous, 21 résidents sur 65 dans l'EHPAD que vous aviez ne reçoivent aucune visite, et 22, une ou deux l'été, à Noël ou pour leur anniversaire. Les deux tiers n'ont donc pas ou peu de contact avec leur famille et ceux qui formaient leurs proches, qu'ils aient ou non des enfants. C'est terrifiant. Oui, c'est terrifiant. C'est quelque chose qui est bouleversant, parce qu'on s'aperçoit qu'on est dans une société qui est très jeuniste. On n'a pas le droit de vieillir, hein. On a surtout pas avoir de rides et de cheveux blancs. On doit rester jeune et performant, faire du sport, etc. Et lorsqu'on ne l'est plus, parce que personne n'échappe au vieillissement, même si on peut avoir affaire à quelques artifices, mais au fond, personne n'échappe au vieillissement. Là, à un moment donné, lorsque vous ne rapportez rien à la société, lorsque vous coûtez de l'argent même, et lorsque vous n'avez plus qu'à offrir votre présence qui pour beaucoup devient insupportable parce que vous êtes dégradé, parce que vous êtes en partie dément, eh bien, pour beaucoup, ces personnes sont abandonnées, tout simplement. Moi, j'ai eu ce sentiment-là que je trouvais tout à fait bouleversant. Et souvent, moi, il y avait des familles qui disaient « Je ne veux pas voir ma mère comme ça, je ne veux pas voir mon père comme ça, ça me déprime. » Et je trouvais ça terriblement égoïste. Parce qu'on se dit « Oui, mais ça ne sert plus à rien, maman est démente, papa est démente, etc. » Si, jusqu'au bout, parce que dans les démences, il y a des éclaircies magnifiques.
Et jusqu'au bout, c'est pas parce qu'une personne est atteinte d'une démence neurodégénérative qu'elle n'est pas sensible à un mot tendre, à une caresse. On ne sait pas. D'ailleurs, les plus grands neurologues vous diront qu'ils ne savent pas exactement ce qui se passe dans un cerveau malade. Sabine Mulco, sur cette notion de visite, et ce que disait Jean Arcelin sur certains qui disent ça sert à rien, me reconnaît pas ma mère ou mon père, donc à quoi ça sert que j'aille le voir? Alors, c'est pas vrai, parce qu'on sait qu'il y a, même sur certaines dégénérescences de type Alzheimer, il peut y avoir parfois quelques minutes de très très grande lucidité par jour. Et certains jours, il n'y a rien du tout. Certains jours, c'est délirant. Des patientes me racontent, ma mère croit que je ne sais pas si je suis pas sa sœur, elle sait plus que je suis sa fille, elle m'appelle alors que je suis à côté d'elle, etc. Mais à certains moments, sa mère, par exemple, lui dit des choses extraordinaires, d'une beauté fantastique, et il y a ces moments de très très grande lucidité, même sur ses petits-enfants. Donc, laisser les gens comme ça, seuls, en les maltraitant à certains moments, parce que il y a beaucoup de patients, du coup ça va vite. Alors, c'est ce dont on va parler. Voilà, ouais. Donc il y a des endroits où ça se passe très bien, des endroits où ça se passe moins bien. Et puis il y a des gens qui ont des soucis. Certains jours sont de bonne humeur, d'autres le sont moins. Donc on va pas leur jeter la pierre. Par contre, c'est vrai que laisser les gens mourir seuls, c'est simplement indécent. Et c'est ce que vous racontez dans le livre, genre à un certain moment, effectivement. Donc quand vous arrivez, vous décidez, après la mort de votre grand-mère, d'abord d'être bénévole en maison de retraite. Oui. Et puis ensuite, vous allez prendre la décision de changer, d'arrêter votre carrière dans l'automobile, qui était une brillante carrière, et de vous diriger vers la direction d'un EHPAD. Alors effectivement, au début, vous arrivez plein de bonnes intentions, et vous avez réussi quand même. Je sais pas comment aujourd'hui vous considérez la situation, mais nous, en tout cas en tant que lecteurs, quand on voit ce que vous avez fait, la manière dont vous arrivez à faire changer des petites choses, mais qui peuvent sembler des petites choses à la hauteur d'un EHPAD, mais pour les personnes à qui vous avez fait changer ça, c'était pas des petites choses. Les débuts dans le premier EHPAD où vous allez, c'est pas simple quand même. Non, c'est pas simple quand même, et pourtant, c'est un EHPAD dit tranquille. Oui, il dit plutôt avec ce qu'on appelle une dotation de soignants, ça veut dire un nombre de soignants, un ratio de soignants tout à fait acceptable par résident. C'est un EHPAD où il y a 65 résidents, donc il y a une dimension familiale. Les soignants sont là le matin, ce qui sera pas du tout le cas dans l'autre EHPAD. Mmh. Donc c'est un EHPAD un peu à la campagne, un peu tranquille. Et malgré tout, c'est vrai que moi je découvre, ce qui me frappe, c'est je découvre l'isolement de ces personnes pour je dirais deux tiers. Il y a un tiers qui n'a pas du tout de visite, un tiers qui a quelques visites, et un tiers où il y a aussi des familles formidables. Mais bien sûr. Qui n'ont pas, comme je dis, la mémoire courte. Hein, parce qu'avoir la mémoire courte, c'est une des rares neurodégénérescences qui est réversible. Voilà. Donc, je découvre ça, et je découvre aussi ce qui, me paraît insupportable par rapport au rapport que j'ai moi-même au fait de rester dans des draps, et je m'en souviendrai à vie, et c'est mon histoire souillée d'urine, c'est l'attente. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on devient vieux et dépendant, on attend. Et on n'a pas d'autre choix. On passe beaucoup C'est-à-dire de temps qu'une soignante le matin qui a 10 toilettes à faire, même si ce ratio reste raisonnable par rapport à des professionnels d'autres établissements, où vous avez 15, 20 résidents à vous occuper, eh bien, il y a toujours cette attente-là. Et cette attente, elle est souvent insupportable. Et moins vous avez de moyens, plus vous avez d'absentéisme sauvage, ce qui sera le cas dans l'autre EHPAD, plus vous avez d'attente. Et j'ai, c'est vrai, assisté à des scènes. Moi, je dormais dans l'EHPAD, donc le matin, j'étais parfois réveillé par des appels à l'aide qui me perçaient le cœur, parce qu'il faut l'entendre quand même. De personnes, simplement, qui voulaient aller aux toilettes, ou qui voulaient être changées, ou qui voulaient être nettoyées. Et les soignants étaient là. Mais les soignants n'ont pas 10 bras, voilà. Et alors justement, on va avoir, on l'a en ligne, je crois, Mathilde Basset, qui elle est infirmière. Vous pouvez mettre le casque, Jean et Sabine, comme ça vous allez pouvoir dialoguer avec Mathilde. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être en ligne avec nous. Mathilde Basset, je vous présente à mes côtés. Il y a Jean Arcelin pour son livre « Tu verras maman, tu seras bien ». Je pense que vous avez dû en entendre parler aussi, comme lui avait entendu parler de votre livre. Voilà. Et Sabine Mulco également, qui est à nos côtés, qui est psychothérapeute. Alors Mathilde, votre livre, on en a beaucoup parlé également. Vous êtes infirmière, vous avez travaillé dans plusieurs EHPAD, et votre livre s'intitule « J'ai rendu mon uniforme, la vraie vie des EHPAD, soignants en burn-out, seniors en souffrance ».
France. Vous racontez de la même manière que Jean Arcelin votre quotidien. Il y a des points communs dans vos deux livres, il y a des différences aussi, mais le point commun principalement, c'est cette absence parfois de moyens que vous constatez très clairement, et vous dites que vous avez le sentiment finalement de bâcler votre travail qui vous tient terriblement à cœur, et un matin vous y arrivez plus. Tout à fait, dans la mesure où un soignant n'a que deux bras, deux jambes et une tête qui fonctionne tant qu'elle peut. Sauf que par manque de moyens, bien entendu, on finit par essayer de combler, de pallier bien le manque de temps, le manque de personnel. Et c'est pour ça que je parle de burn-out, mais je prétends pas. Je pense que je me suis arrêtée avant. J'étais trop faible pour faire un burn-out. Oui. Je me suis arrêtée avant parce que. Je sais pas, j'ai eu ce ressort-là, on va dire, quoi qu'il en soit. Bien entendu, dans mon livre, je parle de soignants comme de paquets de compresses qu'on ouvre, dont on se sert une fois et puis qu'on jette dès que les compresses sont imbibées de produits et de ce qu'il y avait à nettoyer sur la plaie. C'est un peu l'impression qu'on a, c'est-à-dire que les soignants deviennent du matériel à usage unique. Et si un soignant est trop essoré, trop souillé, et ben c'est pas grave, on en ouvre un autre et puis on recommence. Et le système de santé ne se pose pas la question de savoir jusqu'où on est capable d'aller et quel est l'impact finalement sur le soignant, donc sur le résident, les soins et la qualité de l'accueil et de la prise en charge. Vous dites à un moment donné dans le livre, vous dites je suis révoltée de subir ce fonctionnement sans avoir mon mot à dire, et donc à un moment donné, vous allez le dire ce mot, et avant le livre, vous allez d'abord l'écrire sur Facebook, et très vite ce message va devenir viral, et bien vous allez avoir, j'imagine, des dizaines, des centaines, des milliers à la fois d'autres soignants et peut-être de familles également qui vont s'adresser à vous et qui vont suivre votre cri du cœur. Oui, en effet, j'ai eu la chance de recueillir finalement énormément de témoignages de la part de familles, également de certaines de mes pères aux quatre coins de la France, qui me disaient que la situation était la même dans leurs établissements, que ce soit du privé ou du public, alors pour différentes raisons. Hein. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne mon témoignage, je parle essentiellement du public, puisque c'est ce que j'ai eu l'occasion de fréquenter. Mais ça fait chaud au cœur de voir qu'on n'est pas seul, isolé, et c'était aussi le ressenti de beaucoup de mes collègues qui disaient qu'elles avaient l'impression d'être seules à crier dans le vide. Et en fait, on s'aperçoit qu'on est comme ça, une poignée de soignants, à avoir l'impression de se battre un peu contre des moulins et à crier dans le vide parce que la machine est tellement bien huilée que ces équipes tournent, des fois, avec chacune de manière intime, le constat que quelque chose ne va pas. Pour autant, on s'abstient de le dire parce qu'on tient un autre poste, tout simplement. Mmh. Vous deviez vous occuper de combien de patients, vous, Mathilde? Alors, dans le premier établissement, on était une à deux soignantes pour 75 résidents, ensuite une soignante pour 80 et enfin une soignante pour 99. D'accord, une infirmière pour 99 patients. C'est oui, impossible, c'est inhumain, c'est impossible. C'est impossible de le faire correctement. Physiquement, c'est possible, on finit sur les rotules et on met en danger les résidents parce qu'évidemment, on ne peut pas avoir les yeux dans toutes les chambres au même moment. Heureusement, en général, les équipes aides-soignantes sont compétente et vigilante par rapport à l'état de santé des résidents. Quoi qu'il en soit, c'est impossible de tenir le rythme. Enfin, ou alors, ça s'appelle pas du soin infirmier, quoi. Jean Arcelin, quand vous entendez le témoignage de Mathilde, c'est pas ce que vous avez vécu, parce que le premier EHPAD où vous étiez, il y avait quand même un peu plus de personnel, mais vous comprenez parfaitement, j'imagine, ce qu'elle est en train de dire. Vous l'avez vécu? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que je pense que dans une majorité d'EHPAD, de toute façon, je connais pas de directeur d'EHPAD qui puisse dire j'ai suffisamment d'infirmiers ou d'infirmières, on va le mettre au féminin parce que c'est quand même pour une large majorité des femmes, et pareil pour les aides-soignantes. C'est vrai, j'ai géré deux EHPAD, donc dans le premier, il y a le ratio le matin, moi c'était ça qui m'intéressait, c'est-à-dire combien de résidents par soignant, et on était à 10 toilettes, ce qui restait acceptable, même si ça reste quand même un rythme élevé, mais dans le deuxième, on passe à 12, et le problème, c'est qu'il y a souvent, dû à la pénibilité des métiers, un absentéisme sauvage, et il m'arrivait d'avoir un tiers de mon effectif absent. Mais je tiens d'ailleurs à saluer le témoignage de cette dame, de cette infirmière. Je tiens à rendre hommage
au personnel soignant, aux infirmiers, aux aides-soignantes que j'ai vu travailler, qui sont des femmes, on va dire, parce qu'à 90% ce sont des femmes admirables, qui sont, pour les aides-soignantes, souvent en détresse elles-mêmes, sociales, où j'ai vu beaucoup de personnes en difficulté et qui, malgré tout, tiennent les EHPAD. Je pense que les EHPAD, actuellement, une large majorité d'EHPAD en France tiennent grâce à la solidarité et à l'humanité de ces personnes. Parce que vous enlevez un directeur, et là je vais parler contre moi, mais vous enlevez un directeur d'un EHPAD pendant une semaine, il ne se passe rien. Vous enlevez des infirmiers comme madame et des aides-soignants, c'est la catastrophe. Ben, j'imagine Mathilde, voilà, c'est cette solidarité aussi entre soignants qui vous aide à tenir, c'est l'amour que vous avez pour votre métier, vous l'avez dit dans la lettre ouverte que vous aviez fait, ce n'est pas ça mon métier, Madame la Ministre, parce qu'évidemment votre métier, vous l'avez choisi et vous l'aimez. Mmh. En effet, alors il y a l'aspect de toute façon attaché à l'envie d'être consciencieuse dans ce qu'on fait, parce qu'on a choisi quand même un métier. Au cours de la formation, on a été bercé par des valeurs soignantes toutes plus séduisantes les unes que les autres, qui finalement sont impossibles à mettre en place une fois diplômés. Et puis c'est vrai que donc il y a l'amour du travail bien fait, c'est une chose. Alors pour ma part, il faut savoir que c'était pas une vocation. Hein. Je ne suis pas, j'ai pas envie d'être infirmière depuis que vous étiez petite. c'est quelque chose que j'ai découvert sur le tard et ma foi. J'en suis d'ailleurs toujours très satisfaite. Quoi qu'il en soit, alors la solidarité en équipe est à double tranchant, j'ai envie de dire. À la fois, effectivement, elle encourage à se lever le matin en se disant, allez, les collègues y sont, j'y vais aussi. Et puis, de toute façon, voilà, l'obligation de se lever, c'est comme ça. Mais ça encourage à aller de l'avant et heureusement qu'elles sont là parce que ça permet aussi des moments de, on va dire, de régulation, y compris au niveau de l'émotionnel et puis de ce qu'on vit, parce que on a beau travailler avec des personnes âgées, la mort faisant partie de notre quotidien, c'est pas toujours des moments de plaisir, hein, il faut dire ce qui est. Mais oui. Et puis, là où c'est à double tranchant, c'est-à-dire que on va de toute façon pallier les arrêts. Monsieur parlait du fait que ça arrive que certains matins, notamment, j'imagine, courant décembre-janvier, là, au moment de l'épidémie de grippe, que la moitié de l'effectif soignant soit touché. Eh ben, c'est pas grave. Si elles vont revenir sur leurs arrêts, elles vont revenir sur leurs congés, enfin, elles vont revenir, voilà, pour pallier le manque d'effectifs en disant, la pauvre soignante est toute seule, pour 22 toilettes, on peut pas la laisser toute seule, donc, on revient sur nos congés. Sauf que, à terme, à force de revenir sur vos congés, les filles, ben, on sait que vous allez dire oui, donc on va pas essayer, quand bien même, ça coûte cher, etc., on va pas essayer de pallier à l'histoire et de remettre plus de moyens. Ou de pallier. Ouais. Parce qu'on sait que de toute façon, dévouées comme elles sont, on a quand même des ancêtres, nos ancêtres étaient des bonnes sœurs, quoi. Faut pas l'oublier, il y a encore un peu cet esprit-là. Et je crois que c'est pas que bénéfique pour les équipes ni pour les établissements. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait qu'on peut compter toujours sur celles qui habitent le plus près, et je me suis vue le faire, hein, appeler une collègue à 6h30 du matin parce qu'un arrêt intempestif, et j'ai appelé celle dont je savais qu'elle répondre positivement. Bon, remarquez, ça marche dans plein de métiers, hein, mais je comprends très bien. C'est là que ça pose question quand même, parce qu'on se dit d'accord, on râle parce qu'on n'est pas assez nombreuses, et en même temps, dès qu'il y en a une qui est absente, il y en a 12 qui se proposent pour se libérer. Enfin, non, on peut pas fonctionner comme ça et continuer à exiger qu'il y ait du personnel en plus d'embaucher, quoi. L'ARS à mon avis, l'ARS ou toutes les modalités de financement des EHPAD jouissent un peu de ce confort-là en disant, ça sert à rien d'attribuer du budget pour la masse salariale puisque tout le monde arrive à se débrouiller avec des économies de bout de chandelle. Je comprends très bien. Sabine Mulco, réagir sur ce que disait Mathilde. Oui, à force de couvrir les dysfonctionnements, on ne trouve pas de solution pérenne. Donc il ne faut, mais partout, dans toutes les entreprises, toutes les organisations, quand on couvre les dysfonctionnements, finalement, c'est pas une bonne chose. Même c'est toujours pareil. C'est une solution à court terme, mais sur le moyen terme, ça ne fait qu'amplifier le problème. Donc là, on voit qu'on va facilement vers du burn-out de personnel soignant. Et ça, c'est un petit peu partout. C'est pas simplement les infirmières. Les dentistes, les médecins, le personnel soignant est tout le temps sollicité. Ça s'arrête jamais. Et c'est vrai que c'est difficile de pas être éponge, même s'il y a une barrière. Donc, une barrière entre la vie personnelle et la vie privée. Mais on demande énormément, on attend de ce personnel soignant
tout. Donc, et ces hommes et ces femmes le donnent effectivement, même parfois à leurs dépens. Donc, il faut évidemment savoir faire la part des choses et savoir dire stop, ce qui est difficile. Mm-hmm. Savoir apprendre à dire non et partir se reposer. Et Jean Arcelin, le témoignage, ce que nous disait Mathilde il y a quelques instants sur les soignants qui craquaient sur le fait qu'effectivement, eh bien, par solidarité, certains remplaçaient les autres alors que même ils n'en pouvaient plus. J'imagine que c'est ce que vous avez vu. Donc d'un côté, vous aviez ces soignants à qui on le voit hein, dans le livre, vous faites très attention et que vous encouragez sans cesse et que vous félicitez. Enfin, vous êtes extrêmement proche d'eux. Et puis de l'autre côté, il y a l'aspect terrible du business et des comptes que vous devez rendre et du taux de remplissage qui doit être le plus important possible et finalement tout ce qui fait que ça ne devrait pas être une entreprise comme les autres et pourtant ça l'est et c'est même pire que certaines entreprises qu'on vous demande de faire. Oui, moi c'est quelque chose que j'étais tout à fait pour le business parce que j'ai été businessman on dirait une partie de ma carrière, mais je suis pour le business à deux limites. La première c'est le respect des collaborateurs et c'est vrai que j'ai vu des équipes maltraitées, alors on ne peut pas demander à des équipes maltraitées d'être bien traitantes. Donc quand vous avez des soignants sous pression, on ne peut pas leur demander en plus de faire preuve d'une grande humanité, puisqu'ils n'ont pas le temps, ils passent de chambre en chambre à un rythme effréné. Et la deuxième chose que j'ai vue, c'est qu'effectivement c'est un business très âpre, où la rentabilité est très élevée, c'est un créneau, c'est un marché verrouillé, parce qu'il faut savoir qu'on manque de centaines de milliers de places d'EHPAD en France. Hein. Donc les familles n'ont souvent pas le choix. Et comme le business est verrouillé, il n'y a pas suffisamment de places, eh bien on dégage des rentabilités, je parle pour les EHPAD privés commerciaux, très élevées, qui se chiffrent en centaines de millions d'euros. Oui. Et parallèlement à ça, on offre des prestations qui souvent sont médiocres ou insatisfaisantes. Il y a des EHPAD de qualité, mais qui sont souvent complets et qu'il faut trouver. Et il y a quelque chose de très... moi, ce qui m'a stupéfait venant de Subdeco, c'est que vous avez un tiers du chiffre d'affaires. Ça, il faut le savoir, je crois que les gens ne le savent pas. Un tiers du chiffre d'affaires des EHPAD privés commerciaux qui est financé par l'État. C'est votre argent, c'est notre argent, c'est l'argent public. Par contre, l'État ne récupère pas un tiers de ses bénéfices. Donc, on manque d'argent pour construire de nouveaux EHPAD, pour justement déverrouiller ce marché. L'État devrait récupérer un tiers de ses bénéfices parce que ça se chiffre en centaines de millions d'euros et ça pourrait ouvrir des places. Mais alors, effectivement, vous, c'était le cas aussi, Mathilde, j'imagine, quand vous avez rendu votre uniforme, c'était aussi clairement le plus important pour vous, c'était le manque de moyens qui amenait effectivement à un manque de personnel et à une... vous dites, à un moment donné, oui. J'étais stressée, stressante, et donc j'allais devenir maltraitante. Oui, c'est-à-dire que je crois que c'est une... En fait, c'est un manque de moyens, c'est une chose, mais c'est aussi et surtout un modèle à repenser, mais de fond en comble. On en est à descendre dans la rue pour le prix du carburant, alors qu'on sait que dans 10 ans, du carburant, il n'y en a plus. Et à côté de ça, le vieillissement n'arrive même pas dans le centre du débat public. Quand on voit la manière dont on traite les aînés sur le territoire français, pardon, mais on est censé être un pays développé, un pays civilisé, mais j'ai rencontré des tas de gens qui venaient de tas d'origines différentes et qui me disaient « Non, on ferait jamais ça à nos aînés. » Et il s'agit pas de construire d'autres EHPAD qui peuvent accueillir près de 90 personnes. Il s'agit de repenser complètement le soin et ce qu'on décide de faire de notre mode de vie et comment on fait pour intégrer nos aînés dans nos modes de vie au XXIe siècle en France, plutôt que d'essayer de les entasser dans des lieux de vie en collectivité en leur donnant juste ce qu'il faut pour conserver un minimum de dignité et à peine parfois. Donc je crois que c'est un manque de moyens, mais c'est aussi une organisation qui ne fonctionne plus. Ouais. Si elle a fonctionné à un moment donné, un manque de vision politique. Oui, je crois que c'est quelque chose qui est complètement à réinventer, quoi. J'ai pas la solution. Mon boulot, c'est d'être infirmière, c'est d'être auprès des personnes, mais c'est aussi à ça que devait servir mon livre, c'est-à-dire à alerter les pouvoirs publics pour essayer un petit peu de repenser le vieillissement à l'échelle nationale
et voir un petit peu comment on peut faire différemment, parce que concrètement, ce système ne fonctionne plus. Et on sait qu'on accueille les premiers baby-boomers dans nos EHPAD et que de toute façon, ça ne va pas, enfin, les courbes ne vont pas aller en diminuant. Non, ça c'est clair. Ça va être de pire en pire ou de mieux en mieux avec l'allongement de la durée de la vie, ce qui est formidable, mais avec aussi de plus en plus de maladies neurodégénératives qui arrivent tôt. Hein. Sabine, vous le disiez tout à l'heure, vous donnez le cas d'une de vos patientes. Donc effectivement, ça ne va pas s'arranger. Sabine Mulco, sur ce que disait Mathilde, sur la place finalement à repenser à la fois le manque de moyens, ça c'est une chose, et aussi peut-être la place à repenser sur le vieillissement et sur les aînés. C'est ce que disait tout à l'heure Jean Arcelin, on est dans une société où le jeunisme est porté à l'extrême, où il faut surtout pas être âgé, alors qu'on a beaucoup à apprendre de nos aînés. Ils ont à nous transmettre une histoire, et on n'est rien sans notre histoire. On a besoin de les avoir à nos côtés. On a, j'ai envie de dire, besoin de s'occuper d'eux. Ils nous ont protégés, à notre tour de les protéger. C'est comme ça que ça devrait se passer dans le monde idéal. Mathilde Bassier, dernière question, puis on va vous laisser. Vous avez arrêté, donc, et vous avez repris. Ensuite, vous travaillez aujourd'hui autrement. Je crois que vous travaillez en psychiatrie dans un cadre associatif. Ça veut dire que les EHPAD, vous y retournerez plus, ou alors qu'il vous fallait une pause, faire autre chose et peut-être y revenir ensuite? Pas dans les conditions actuelles, c'est-à-dire que pour l'instant, en psychiatrie, je reçois les patients les uns à la suite des autres, à raison d'entretiens infirmiers qui durent une demi-heure en collaboration avec des médecins, des psychologues. C'est un cadre de travail qui est tout à fait différent et qui me convient davantage. Et concernant les EHPAD, tel qu'on décide de les faire fonctionner aujourd'hui, eh bien, ce sera sans moi. Parce que je veux pas cautionner ça. J'ai envoyé mon livre à Madame la Ministre, qui m'a gentiment répondu qu'elle le lirait quand elle aurait le temps. Mmh. Voilà, j'espère que ça pourra lui apporter des pistes de réflexion. J'ai pas la prétention de réinventer les EHPAD, mais en tout cas, si toutefois certaines cervelles pouvaient se pencher sur la question, pas seulement des politiciens, s'il vous plaît, des humanistes, des philosophes, des psychothérapeutes, enfin des gens qui s'intéressent à l'humain avant de s'intéresser aux chiffres, quoi. Il faudrait que c'est ça qui est important. Bon, eh ben écoutez, il faudrait que ce soit le grand prochain grand débat national, et clairement. Merci beaucoup Mathilde Bassier d'avoir été avec nous. Merci à vous. J'ai rendu mon uniforme, c'est aux éditions du Rocher. Jean Arcelin, dans votre livre, Tu verras maman, tu seras bien, donc aux éditions XO, il y a aussi toute une partie qui est extrêmement intéressante sur effectivement sur la mémoire. Ouais. Et quand vous parlez avec certains patients qui se souviennent plus de pas grand chose, et puis vous rendez compte que par contre elle peut chanter telle et telle chanson par cœur, ou qu'elle va vous rechanter une chanson en espagnol, ou qu'elle va se souvenir de tas de choses très différentes, et vous avez tout un chapitre là-dessus comme ça, en disant que vous êtes passionné pour le fonctionnement du cerveau et sur la mémoire, sur ce qui reste et sur ce qui, vous dites, on se souvient d'avoir aimé comme on se souvient d'avoir tremblé. Oui. D'ailleurs, j'en profite pour remercier une amie de 30 ans qui s'appelle Ariel Azoulay Kella, et qui est neurologue formidable à Paris, qui m'a écrit, qui m'a aidé, pardon, à écrire ce passage. Ce que m'a dit Ariel, c'est que on ne connaît que 10% du fonctionnement du cerveau. Il y a toutes sortes de démences. Il n'y a pas que Alzheimer. Mmh. Alzheimer représente 60% des démences du grand âge, mais il y a d'autres démences, on ne va pas toutes les citer. Dans ces démences et dans l'altération de la mémoire, il y a des choses aussi formidables, et comme le disait très justement madame, il y a des éclaircies et des embellies magnifiques. Et je dirais aussi, parce qu'il ne faut pas dresser un tableau trop noir des EHPAD. Il faudra qu'on parle des solutions, parce qu'il y a des solutions concrètes parce qu'on ne peut pas se passer d'EHPAD. Mais il y a des solutions concrètes pour améliorer les EHPAD, et je les évoque d'ailleurs à la fin du livre, ainsi que des conseils pratiques pour les familles. Oui, moi j'ai vécu des moments de grâce. C'était le vendredi, je mettais de la musique. Moi je m'impliquais beaucoup dans l'animation. Je faisais des ateliers mémoire. On inventait une croisière, on allait au Carrefour Market, on se tenait par la main. alors on m'a même reproché de faire ça, parce qu'on disait c'est pas le rôle d'un directeur. Ouais. J'étais atypique, mais moi j'ai fait ce métier pour ça, pour être près des résidents. J'ai pas fait ça pour faire des statistiques. Mais j'avais le temps, comme les statistiques, j'ai fait assez vite. Et effectivement, par rapport à la mémoire, c'est assez fascinant. Je me souviens très bien de cette dame dont j'ai changé le nom dans le livre. Elle s'appelle Madame Boinet, qui, par moment, avait du mal à reconnaître ses propres enfants, ce qui est une souffrance incroyable pour les familles. Hein. Je rends aussi hommage aux familles qui traversent, et d'ailleurs,
à des amis qui m'entendent et qui s'appellent, je peux les nommer parce que c'est Judith, David et Azoulay qui m'hébergent d'ailleurs à Paris, je les remercie pour ça, mais qui, comme Ariel, on se, comment dire, rencontre cette difficulté de la démence au sein de leur famille et d'une démence neurodégénérative. Et y a des embellis magnifiques. Et cette femme, ne dansait le vendredi, je mettais de la musique et je faisais danser cette femme et d'autres résidentes. Et j'étais absolument fasciné parce qu'elle pouvait chanter Bésame Mucho en espagnol jusqu'à la fin. Alors que 2 heures avant, elle ne pouvait pas dire le prénom de sa propre fille. Ouais. Donc il y a des choses tout à fait magiques. Et dans la mémoire, en fait, ce que l'on garde à l'esprit, c'est ce que l'on a aimé et ce qui nous a fait trembler, parce que la peur aussi est très présente. Et en général, le plus tôt dans notre vie. Et Sabine Mulcaud, je suis obligée de vous faire réagir aussi sur la mémoire et sur le reste, surtout vous en hypnothérapie. J'imagine que vous jouez beaucoup là-dessus ou pas sur même quelqu'un de bien portant qui n'a pas ces difficultés-là, sur la mémoire, sur ce qui reste, sur ce qui revient, sur les souvenirs. Bien sûr, puisqu'en réalité, ces souvenirs font nos comportements en règle générale. On a des expériences passées et de là, on a un comportement qui s'adapte plus ou moins à nos valeurs. Alors, ces comportements nous donnent aussi des croyances qui sont souvent des croyances, j'ai envie de dire, handicapantes, parce qu'elles nous restreignent. Donc l'idée, ça va être de changer nos croyances pour pouvoir avancer et aller vers le changement et ne plus avoir peur du changement. Donc oui, c'est ce que je disais, les parents, les grands-parents nous ont protégés, ils nous ont fait nos souvenirs. Et nos souvenirs, ça reste évidemment quelque chose de merveilleux, puisqu'on sait qu'un souvenir n'est absolument pas vrai, puisque c'est déjà le souvenir du souvenir. Donc c'est ce qu'on en fait. On en fait ce qu'on veut, ouais. Ces souvenirs. On peut les arranger, et c'est ce qu'on fait souvent en hypnose. On arrange nos souvenirs pour les rendre plus sympathique, plus adaptable, encore plus fort, plus sympathique, et après on va de nouveau dans le futur pour avoir une belle vie, fort des souvenirs arrangés, quoi. On reprend la force ou à l'endroit où on aurait justement pu avoir des faiblesses. Donc on a besoin des souvenirs, on a besoin d'être protégé, on a besoin d'avoir cette histoire. Donc c'est horrible de se dire qu'à un certain moment on va, comme si on jetait à la poubelle nos grands-parents et nos parents. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Alors dans le livre, j'ai dit il y a plein de moments drôles hein, aussi, oui. Évidemment. Il y a des moments. Mais oui, Henri. Il y en a une, j'ai plus son nom, vous voyez, mais qui est assez phénoménale, qui est mécontente de tout, qui est jamais contente. Et puis alors vous avez trouvé le bon système pour lui parler. Chaque fois qu'elle commence quelque chose, vous lui dites oui, vous avez raison. Ouais. Puis vous essayez de lui faire comprendre le contraire. Mais c'est une très bonne technique. Mais oui, bien sûr, si c'est une bonne technique. C'est comme pour les gosses. Il a raison, ça le calme tout de suite. Oui, ça marche bien aussi. Ça, c'est le 180 degrés de la thérapie, bref. Alors voilà, ça c'est autre chose, c'est une autre thérapie. Ce qui est intéressant d'ailleurs derrière ça, c'est qu'il y a des, vous savez, les EHPAD sont souvent, on parle de repenser les EHPAD, il faut les repenser, mais on ne peut pas se passer d'EHPAD parce que dans certaines démences neurodégénératives, vous avez des résidents qui font preuve d'agressivité et ça, c'est trop lourd pour les familles. Dans les... Ouais, donc, ce qui est intéressant d'ailleurs dans cette femme était agressive, mais pas excessivement agressive. Ce qui est intéressant, c'était une manière, comme le dit très justement madame, il y a des alternatives à la chimie, aux médicaments, aux neuroleptiques. Parce que les neuroleptiques aggravent les dégénérescences et souvent précipitent les décès. Et c'est ce qu'on appelle des thérapies non médicamenteuses. Et en fait, ce que je faisais avec cette femme, d'une certaine façon, en lui disant très doucement, avec une voix un peu d'hypnothérapeute, vous avez raison, madame Vellers, ça l'a calmée et elle était incroyable. Oui, du coup, elle était moins agressive. Voilà. Et donc, ce genre de choses, si je parle... Après, vous lui aviez confié une mission, enfin, elle s'occupait et elle arrêtait d'embêter les autres. Exactement. Et après, en fait, il faut responsabiliser les gens. Et ces thérapies non médicamenteuses, qui utilisent les capacités restantes des résidents, ben pour les mettre en place, on a vraiment besoin de mains et de temps. Parce que moi, j'avais fait ce choix de déjeuner et de dîner avec mes résidents avec eux, et de dormir sur place. Donc, je vivais avec eux et ça me permettait d'avoir des échanges comme cela qui étaient vraiment formidables. Pourquoi vous avez arrêté alors, Jean-Claude? Alors, moi, j'ai arrêté parce que j'ai déjà un directeur
d'EHPAD a une responsabilité pénale. Mmh. Moi, j'ai fait ce métier pour des raisons humanitaires et surtout pas de, de carrière, puisque j'ai divisé mon salaire par trois et que je considérais que j'avais déjà fait carrière. Il comprenait pas d'abord au début. Hein, la voilà, personne qui il comprenait pas. Oui, le directeur régional me dit, mais je comprends pas. Combien vous allez perdre? Oui, il me dit, mais vous allez perdre combien? J'ai dit, mais ça, ça me regarde, c'est un choix de vie. Et puis, voilà, le, vous savez, il y a quelque chose par rapport au matérialisme. Dans les fins de vie, quand vous accompagnez les personnes en fin de vie, il peut y avoir des choses tout à fait lumineuses. Mmh. Et moi, alors, j'ai été éclairé par plusieurs témoignages et je me suis interrogé, je me dis, à quoi pense-t-on quand on va mourir? Mmh. C'est-à-dire quand vraiment, c'est fini, le rideau tombe. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de jeu, plus de façade. À quoi pense-t-on? Que garde-t-on de nos vies? Et tous les souvenirs, tous les témoignages que j'ai eus n'étaient jamais « Ah, quelle était belle ma Porsche !» Vous voyez, moi qui adorais les Porsches, voilà. Ce sont toujours des souvenirs d'amour, des souvenirs d'être qui nous ont touchés, qui nous ont percé le cœur, comme je le dis. Et donc j'ai arrêté, pour répondre à votre question, j'ai arrêté parce que je ne supportais plus la pression commerciale qui m'a fait faire des erreurs. Je ne supportais plus ces effectifs tendus en permanence. Je ne supportais plus ces équipes stressées. Et je ne supportais plus finalement que mon établissement puisse être maltraitant. Parce que ça a été le cas. Puisque j'ai eu à la fin du deuxième établissement, malgré tout l'investissement des équipes et de moi-même, j'ai eu une succession de deux événements indésirables graves. Mmh. Ce sont des accidents qui sont souvent passés sous silence. Et là, j'ai dit stop. Voilà. Je veux plus. Et ça, c'est ce qui est terrible, Sabine Mulco, parce qu'on a Jean Arcelin à côté, et on l'a bien compris que c'était un directeur d'EHPAD atypique et formidable. On a Mathilde Basset, et on a bien compris que c'était une infirmière aussi formidable et adorable. Les deux ont rendu l'uniforme et ont arrêté. C'est terrible de se dire ça. C'est terrible parce qu'on pense que pour faire bouger une institution, il faut mieux être à l'intérieur. Mmh. Donc on y va avec beaucoup d'espoir, comme Jean, et finalement on se rend compte que c'est difficile. Alors peut-être qu'il y a une autre façon de faire bouger les institutions. On est en France. Mais oui. On essaye de les faire bouger. En même temps, on est. Il faut quand même tous des blouses blanches, c'est ça, et qu'on descende. Non, en même temps, il faut savoir qu'on a quand même un service social extraordinaire. Évidemment, on a une médecine fabuleuse. On a une assurance sociale qui est une des plus belles au monde. Ça, il faut quand même pas l'oublier. On a les hôpitaux publics. Bien sûr. Voilà. On a la CMU, tout ça c'est fantastique. Alors après, peut-être qu'il y va de la responsabilité de chacun de s'occuper de ses parents de façon plus quotidienne, j'ai envie de dire. Simplement les visites. Simplement déjà des visites, parce que quand on va voir ses parents, on se rend compte ce qui se passe vraiment dans un EHPAD et on peut parler avec le personnel soignant. Alors parfois, certaines familles vont même consulter d'autres médecins que le médecin de l'EHPAD et reviennent avec un traitement qui donne même parfois en cachette aux patients. Ça arrive. On voit que vous connaissez l'histoire. Ouais. Ça peut arriver. Mais ça va. Moi, je pense plutôt qu'il y a une responsabilité individuelle vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos grands-parents. Et c'est aussi à nous de faire bouger les choses à notre petit niveau. On est un maillon de la chaîne, mais nous sommes tous importants. Voilà. Et pour les maillons de la chaîne qui écoutent, peut-être que ça permet à certains de se dire, ah bah tiens, j'ai pas été voir mon père ou ma mère ou mes grands-parents depuis un petit moment. Donc, c'est le moment de le faire. Merci beaucoup, Jean Arcelin, d'avoir été avec nous. Votre livre, Tu verras maman, tu seras bien, aux éditions XO, ça vous a fait du bien d'écrire? Ça fait du bien, mais c'est aussi ça fait du bien parce qu'on propose des solutions et des conseils à la fin. Mmh. Et ça, je pense aider vraiment les familles qui souvent sont une partie tout à fait pratique. Voilà, qui sont en détresse et quand elles doivent placer un parent. Et c'est aussi très éprouvant de revivre ça parce que quand on écrit les scènes, et je tenais à ce qu'elles soient le plus réaliste possible. Certaines scènes étant, je les ai vécues comme des scènes qui m'ont véritablement éprouvé. Eh bien, ça peut être difficile à écrire. Mais par ailleurs, il y a aussi une histoire d'amour fabuleuse. Oui, après une personne qui a Alzheimer et un homme qui lui est handicapé, qui lui dit voilà. Qui est le fil rouge un peu du livre, parce que je voulais raconter ça comme un roman. Et il y a des histoires aussi. Il a dit je serai ta tête, tu seras mes jambes. Voilà, c'est super. C'est une histoire magnifique qui m'a bouleversée. Et voilà, vous donnez votre plan d'action à la fin. Oui, pour les politiques, pour ceux qui veulent lire le livre. Oui, il y a des solutions.
solutions. Bon, alors voilà, vous achetez le livre et il y a les solutions et vous l'envoyez aussi à la ministre. Merci beaucoup, Jean Arsenin, Sabine Mulcaud. Vous l'avez fait? Oui. Bon, elle a beaucoup de choses à lire en ce moment. Voilà. Ou alors, si elle écoute l'émission, ce serait encore plus facile. Je sais que ses parents souvent écoutent l'émission. Merci beaucoup, Jean Arsenin. Merci beaucoup, Sabine Mulcaud. Je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui, à chaque fois, nous disent, mais comment est-ce qu'on peut faire pour nous aussi parler à Sabine? Il y a un petit mail, on peut vous écrire. Bien sûr, il y a un petit mail. mulcaud.sab@orange.fr. mulcaud@orange.fr. Merci Sabine. À très bientôt dans quelques instants. 12h, le journal présenté par Paul-Henri Clégy. Demain, on parlera cinéma avec notamment un film magnifique, je vous encourage à aller voir. C'est le témoin de Lansdorff, les témoins de Lansdorff. On sera avec le réalisateur israélien Amichai Greenberg, également avec Sophie Naoum qui a fait une série documentaire tout à fait passionnante sur les derniers survivants de la Shoah. À demain, 11h.